sein du GIE, c'est d'être acheteur. Donc j'achète tous les produits, y compris les contrats de sous-traitance, tout ce qui va s'acheter au sein du GIE, de simple fourniture administrative, aux fournitures qui vont permettre le déploiement du réseau ou les contrats futurs avec les sous-contractants pour le déploiement, la construction du réseau. Le budget pour le GIE, c'est 273 millions pour la construction du réseau. Donc on peut scinder en deux parties. Une première partie pour les fournitures, quelques dizaines de millions, et le reste au niveau de la construction, purement et simplement les travaux. Alors l'enjeu du travail, c'est de trouver sur les fournitures déjà des matériels qui répondent techniquement à l'ingénierie du projet. Dans ces matériels, après, c'est de trouver ceux qui vont être le plus simples à mettre en œuvre, où on va avoir le moins aussi de frais de mise en œuvre, tout en trouvant des produits d'un bon rapport qualité-prix. Pour la partie sous-contractant, ça va être de trouver les sous-contractants qui répondent à une enveloppe tarifaire correspondant à nos budgets et à la possibilité de faire les travaux, donc études et déploiement génie civil et fibre optique, jusqu'à la réception du réseau. L'achat de la fibre optique dépend également du service achat aujourd'hui. On a environ entre 11 et 12 000 km aujourd'hui de prévu, tout déploiement confondu, la collecte, le transport, la distribution. Donc on a plusieurs capacités de fibres. On a des fibres qui vont être souterraines, aériennes, et après c'est les capacités qui vont rentrer en ligne de compte. On a des fibres qui vont de 12 FO jusqu'à 864 FO par câble. Donc il faut commander les bons quantitatifs de fibre optique, de façon à réduire au maximum le gâchis plus tard de fibres. Le plus excitant, c'est de trouver les bonnes fournitures ou les bons fournisseurs, nous permettant un déploiement simple, rapide, technico-économique le plus avantageux possible, et puis justement réussir à gagner sur cette part et tenir surtout les délais qui sont vraiment très très importants sur ce projet.